Salut tout le monde, c'est Zed et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien voir une vidéo sur les jeux de mouvement. C'est que dans les jeux de mouvement, on va faire ces jeux de mouvement de HQ. Bah, c'est que ça va pas demander aux jeux. Et on va tout simplement faire des quêtes avec le moteur de mouvement. Personnage nommé H, pas comme une H, je pensais à une fille qui s'appelle la planète et ça, et j'ai aussi pensé à un personnage dans le monde, et j'ai aussi pensé, et j'ai aussi vraiment une bonne note qui s'appelle H. Mais moi je sais si je traverse les quêtes parallèles et en même temps les modes d'histoire et tout ça et si je traverse que les modes d'histoire je ne vais pas traverser que les quêtes parallèles donc, je crois que son personnage n'a aucune chose qui est là. Je crois que ah, je crois que c'est comme d'abord on fera aucune si je vais en faire tomber on a fait ça si je vais en faire ah, j'ai enfin entendu rien. J'aime pas trop le côté élastique. Je suis le potentiel offline.
Moi j'ai déjà décidé de ne pas faire le truc parallèle. Tout ce que je veux c'est juste une heure de soirée. Et j'ai décidé de faire le Je vais essayer de vite prendre ma distance.
avec le mode histoire, c'est pas un truc à faire le mode de l'Eden, tu vois, c'est pas un mode à faire, juste pour aider la déchanter du but, ça n'est pas le mode d'un mois. Tu vois, c'est vite fini dans le mode histoire, c'est 2 heures, what? Non, non, non. Alors, max, c'est bon. Enfin, je sais pas. Moi, je prends un truc, je dirais. 1h45, c'est bon. Commence. Max, 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 max. Lève. Ah, moi j'ai même j'avais une vidéo. En gros c'est vous qui me dites qu'est-ce que je crée comme personnage. Vous me dites la race. Vous me dites si c'est un garçon ou une fille. Vous me dites si je le mets musclé, si je le mets. Vous me dites tous les types que je dois mettre en fait. Tu vois. C'est vous qui devez me dire ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud et chaude pour cette ligne de vidéo. Mais, par exemple, si jamais vous me dites la mec avec un menton de je sais pas quoi, un truc comme ça, franchement, je vais hésiter à créer le personnage. Faut vraiment hésiter. Et si même vous, tu me dirais de mettre un mec dans le nom de personnage et je créerais. Non, du personnage. Mais là, on va pour la première mission à ce sein de défense. Ah. Encore une fois. Voilà, il y a l'air très fort. On va faire un petit peu de la joie dans le lien. Ok. Et puis des deux blasters. C'est donc hyper plus. Regardez ces deux, elles sont rouges. Après, il parle de qui, de quoi, de comment, et pourquoi je vous dis, je n'ai pas fait la même façon que la vie de ces tartuches-ci. Mais bon. T'as les fous que ça, les gars. Les gens qui allaient faire des personnes, ça n'aime pas. Je me rappelle avant quand j'avais accès à des lézards, genre les commentaires c'était raid. Genre, regardez la tenue du jeu, genre là le temps, j'en ai plus. Excusez-moi, je vais bien passe. Et là vous devez même entendre, j'oublie tout le temps d'activer ce truc, désolé. Et donc c'était raid mon premier personnage. Et je me rappelle, j'avais pas changé le nom en fait. Enfin, si j'avais changé, mais je n'avais pas changé la tenue, genre je l'avais gardé jusqu'à l'arc de Freezer à peu près. Non, genre dès que j'avais fini l'arc de Freezer, j'avais mis la tenue de Goku Kaio, je me rappelle. Après, je me rappelle, j'avais débloqué des personnages, genre. Non, j'étais bien content, j'avais débloqué Gogeta, Broly, j'avais débloqué plein de personnages comme ça, Végéto et tout. J'étais ultra content. Mais et après elle m'a fait un... je dirais que même après j'ai fait un autre personnage, c'était Sky Black avec la coupe de Guan, il était assez normal tu vois. J'ai fini le mode histoire avec aussi, j'ai mis la tenue du truc ultime. Après je me suis dit bon là j'ai même passé un autre level, j'ai créé mes Blue, mes Sky Dark et tout. Et après un jour je me suis dit vas-y je crée un X, je sais pas pourquoi je l'appelais X, je mets la paire et tout, j'ai fini le mode histoire et tout. Et après c'était quand je l'avais téléchargé en fait c'était vers là qu'ils avaient sorti le non pas du tout
Genre, c'était. J'avais créé genre un mois avant qu'il sorte le truc de Super Saiyan Blue. Blue, Super Saiyan Blue, ça date le SAG Blue, Super Saiyan Blue. Après, j'ai commencé à créer Mac et Flamme, Mon Zanos, mais franchement, Mon Zanos, je le préfère que Mon X, hein, je vous dis la vérité. Enfin, ouais, je le préfère, mais niveau combo et tout. Si on en vient X, il va largement Zanos, tu vois. C'est comme un Goku bleu, comme un contre un Golden Freezer énervé, tu vois. Comme elle lance 3 boules, hein, si genre ça fait une World OK. Hein. Salut Fouéou. Salut Fouéou. MDR. Final Flash Vengeur, mais non, allez. Arrête de bouger, arrête de bouger. Arrête de bouger, arrête de bouger. C'est bien. Je l'ai atomisé. Au Final Flash Ranger. Non, je déconne. Au Final Flash Ravageur. Non, je déconne. Au Final Flash Vengeur. Allez, la boule de la mort. On y va, on la charge. Boum. Ok, il a esquivé peu, dommage. En fait, c'est surtout... Oh, excuse-moi, c'est surtout les enchaînements triangles, en fait, où tu vois le côté élastique qui ressort. Par contre, sa technique, elle est d'art, c'est genre, l'adversaire, il est à distance et tout. Bon, les gars, là, on va dire bonjour à Osaru Nappa et à Osaru Vegeta. Ouais, comment ça c'est? Bande de ouf. Bande de la ratoniflée. Tout à l'heure j'ai eu 2 Z et là j'ai un C. Ok, tout va bien. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et là j'essaie de faire en sorte que mes épisodes durent le plus de temps possible. Enfin, que mes vidéos comme ça durent le plus de temps possible. Peut-être vous allez pas apprécier de ouf. Puissance 10 x 2. Allez, on charge, on charge, on charge, on charge, on charge. Et c'est fini. Donc je sais qu'on va d'abord devoir blesser Nappa, bah, parce que j'ai l'habitude de la mission, tu vois. Bah donc c'est ce qu'on va faire. Allez, on recharge. Et là, je sais pas si on la charge. Allez, on la charge, on la charge, on la charge. Ça passe ou pas? Ok, donc là... Par contre, dès que je l'ai, je la balance. Donc là, je la balance. Wow, wow, wow. Bang, bang. Le potentiel caché des Saiyans terrifiant. C'est incroyable. Non, je déconne. Bon, les gars, on est pas en Final Flash Vengeur. Bon, là, quand même, on peut pas dire que je me suis pas vengé. Hein. Oh, oh, oh. Sauf que je trouve ça quand même, je l'ai dit dans, non je l'ai pas dit, je trouve quand même ça dark qu'ils ont claqué, je trouve quand même ça ultra dark qu'ils ont fait un Final Flash en attaque spéciale, puisque c'est rare, et ça ils le font rarement, tu vois, les Final Flash en attaque spéciale. Je crois qu'ils l'ont jamais fait même, hein, des Final Flash en attaque spéciale. Bah oui, puisque par contre, ils ont déjà fait des Kamehameha en attaque spéciale et des Kamehameha en attaque ultime, mais jamais en attaque spéciale. Et les gars, j'ai un teaser si vous voulez, un truc comme ça, des petites informations pour le prochain DLC Xenoverse. En pleine tête par contre, là je l'ai mis. Bon, en gros, qu'est-ce que sera le prochain DLC Xenoverse? C'est très simple. En gros, dans le prochain DLC Xenoverse, il y aura... Gogeta SAG Blue à ce qu'il paraît et Broly DBS à ce qu'il paraît. Donc c'est un mec qui a cherché dans les fichiers du jeu et il a trouvé ça. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous y croyez, parce que moi j'y crois à fond. Gogeta Blue, ça le ferait trop réaliste quoi. Moi c'est mes avis, après voilà. Moi c'est ce que je pense, je trouve que un Gogeta Blue c'est très classe. Donc il y aurait un Gogeta normal et un Gogeta Blue. Et il y aurait aussi le Broly DBS, tu vois.
répondre, j'attends, moi personnellement, j'attends toujours la perruque, enfin la tenue et la perruque de Kefla et la tenue de Tapion. Parce qu'ils avaient dit ça, ce qui paraît qu'on allait gagner ça, tu vois. Mais la tenue de Tapion, on l'a toujours. Les gars, donc à ce qui paraît, il y avait une coupure. Je sais pas si c'était vrai, si il y avait vu les images, mais il y avait une coupure à ce qui paraît. Donc, où j'en étais déjà, oui. Donc, le truc de Gogeta est brûlé. Et là, le truc de Tapion surtout. Pourquoi ils n'ont pas mis le truc de Tapion, la tenue de Tapion? On va dire non, mais elle va sortir dans la nouvelle mise à jour où il y aura Kefla avec sa perruque et il y aura la tenue de Tapion. Mais pourquoi ils n'ont pas sorti tout ça d'un coup? Parce que moi j'ai connu mes médailles pétées, j'en avais 1000, j'en ai 589. Je suis impatient, mec. Je suis un fucking patient. Je suis pressé d'avoir sa perruque et cette tenue. Ils sont trop là. Moi, je trouve après. La bouche de Ganto là. Ouah, c'est chaud. Donc, on y va. On va vite mettre la misère à Ganto, tu vois. Tac, tac, tac. Mais non, genre la chope elle est pas passée. Allez, tir inversé. Ah, ok. Je me suis dit ça revient deux fois, c'est ouf, mais non, ça revient qu'une fois. Ça serait beaucoup trop cheaté sinon. J'arrive pas à faire le combo Iga Shop. Et ya, ya, et ya. Coucou. What? Le mec il a esquivé ça easy quoi. Le mec il a esquivé ça easy gam. Tu vois le gars il était easy pour lui, tu vois. Allez, pour pas on va essayer de le finir en style, tu vois. J'aimerais bien le finir au Final Flash Vengeur, tu vois. Tellement cheaté. Et les gars, donc moi, à ce que j'ai vu dans la vidéo de Blue Lesser de jeu, oh, des points d'attribut, que lui il trouvait, hein, que le Final Flash Vengeur, et je ne sais plus quelle autre technique, le marteau chargé, je crois, non. Final Flash Vengeur et... Ouais, non, juste Final Flash Vengeur, je crois. C'est une technique qui est difficile à placer. Donc moi personnellement, je trouve que le Final Flash Vengeur en fait contre l'IA, je trouve que c'est ultra facile à placer. Mais si tu fais des matchs en ligne, j'aurais dû prendre le téléporteur là-bas, c'est deux fois plus difficile. Enfin c'est 4 fois, 10 fois, 100 fois, tu vois. Parce que en ligne, les gens ils sont réactifs, tu vois, et excusez-moi. Donc ils sont réactifs et ils esquivent vite les coups, tu vois. Par exemple, moi quand je fais des matchs en ligne, même si j'en fais rarement, quand je fais des matchs en ligne contre Musa, vous avez pu remarquer ça. Quand je fais des matchs en ligne contre Yanni et que le mec, je crois, je lui claquer un Kamehameha ou un truc comme ça, c'est chaud. Parce que le mec, il a l'habitude, il fait des combats lui aussi, il connaît les balles. Et bah c'est chaud, tu vois, j'arrive vraiment pas. Bon les gars, on va déjà stopper pour cette vidéo, je suis désolé, mais il y aura sûrement un autre épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et rejoignez la Z Team. Regardez même elle vous dit salut.